Salut à tous et à toutes, c'est Bionix Wargame de la Bionix Team et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gameplay commenté, cette fois-ci sur Call of Duty Modern Warfare 3. Et donc oui, ça fait toujours un peu du bien de retourner sur les vieux jeux, donc que ce soit Modern Warfare 3, Code 4, Modern 2, Black Ops, enfin ouais, vous m'avez compris, même World at War parfois car on l'a aussi. Et donc on se retrouve sur la map Arcaden. Ce n'est aucun membre de la Bionix Team qui joue, je pense que vous l'avez déjà compris si vous avez regardé la barre des feeds avec ce premier kill. C'est un ami à moi, très violent donc sur PS3, un bon ami à moi qui m'a donc envoyé son gameplay. Je vais pas vous faire la surprise parce qu'une surprise sur Modern Warfare 3 c'est toujours la même chose. Il va donc nous réaliser une Moab en mêlée générale avec la MP7 en or, très belle d'ailleurs en or. Avec un silencieux, il avait donc une Semtex il me semble, radar portatif, et donc il jouait en spécialiste, donc avec assassin, pillard et passe-passe. Donc aujourd'hui plein de petites choses et de grandes choses à vous dire. Tout d'abord, bah, j'ai pas eu l'honneur de vous remercier personnellement pour les 200 abonnés, donc bah écoutez, merci à tous, hein, bienvenue aux abonnés de la Code CF, merci à tous ceux qui se sont rajoutés, c'est vraiment super, merci déjà à la Code CF de nous avoir upload, parce que on a gagné déjà pas mal d'abonnés avec ça, ça nous a permis donc d'atteindre le cap des 200 abonnés, qui est déjà un assez grand cap pour nous, ça nous fait déjà très très plaisir, et donc on espère que bah ça va continuer à évoluer dans ce sens-là. Ensuite, je ne sais pas si vous aviez vu la notation que j'avais laissée à la fin de la vidéo de l'ISPR50, pour vous éviter d'aller revoir, en gros cette annotation disait qu'il allait avoir un nouveau concept sur la chaîne et que j'avais besoin de vous du coup sur Twitter. Donc oui, j'ai besoin de vous absolument sur Twitter pour ce nouveau concept, tout simplement parce que vous allez me dire ouais mais je suis déjà allé sur Twitter, tu postes rien, nanani nanana, mais forcément je vais rien poster parce qu'il n'y a pas, il y a pratiquement, j'ai envie de dire, personne qui me suit sur Twitter. Tandis que si j'avais 10, 15, 20 personnes sur Twitter, voilà, je posterais des photos qui pourraient vous intéresser, vous et moi. Je pourrais même, je sais pas, vous inviter à venir faire du multi avec nous, ou à venir faire du zombie avec nous, enfin, ce que vous voulez. Des fois, on n'est que 3, ou alors on n'est que 2, et on a besoin de quelqu'un d'autre avec nous, et ça pourrait être vraiment super intéressant de jouer avec vous. J'ai déjà 2-3 abonnés que j'ai en ami sur le PSN. Et par exemple, hier j'ai fait un zombie avec un 2, c'était vraiment super bien quoi. Donc voilà. Et donc ce nouveau concept va tout simplement consister, vous me suivrez donc sur Twitter, donc comme je viens de le dire, et donc vous nous proposerez sur BO2 bien évidemment une classe, peu importe laquelle. Je prends un exemple tout con, ça pourrait être, je sais pas, l'HAMR, ou alors même l'XPR avec une lunette bibande et un viseur laser. Vous me donnez tout. La principale, les accessoires de la principale, la secondaire, les accessoires secondaires, joker, atout, mortel, tactique. Vous me donnez absolument tout. Et donc une classe complètement what the fuck. Et nous, on va tout simplement jouer avec en live. On sera donc tous les 4 pour jouer avec en live. Tous les 4, j'entends donc moi, Twizy, Nadox et TG. Et tout simplement, il serait même possible que même certains d'entre vous viennent jouer avec ces classes avec nous. Moi, je trouve que ce serait super même de jouer avec vous, ce serait beaucoup plus amusant. Et donc, voilà pourquoi j'ai encore une fois de plus besoin d'un maximum de gens sur Twitter. Tout simplement parce que je pourrais aussi poster, bah, je sais pas, des quelques photos, par exemple, prendre une photo de mon écran avec moi, TG, Twizy et Nadox en ligue, et mettre tous les 4 en ligue et tout, vous inviter, mettre une photo où on est que tous les 4 et dire on a besoin de vous, encore un peu de monde. Donc voilà, c'est pour ça, on a absolument besoin de personnes sur Twitter pour venir tout simplement jouer avec nous, prendre de nos nouvelles, même certains de vos commentaires sur nos photos Twitter et tout ça pourraient tout simplement nous intéresser, nous aider à évoluer. Vous pourriez me poster des tweets pour m'aider justement moi, ou même aider les autres dans leurs commentaires, nous dire par exemple ouais ça faudrait que tu essaies d'améliorer, patati patata. Donc voilà, faudrait vraiment que vous me suiviez sur Twitter et ça nous aiderait vraiment énormément, et puis je pense que ça pourrait nous servir autant à vous qu'à nous. Et donc voilà, je vais pas épiloguer plus, si je puis dire comme ça.
Et je vais passer bah, à la dernière chose, donc qui est tout simplement une bonne nouvelle. Nous avons tous les packs de map. Enfin, du moins pour moi, j'ai tous les packs de map. TG aussi. Nadox et Tweezy ont seulement Uprising, mais vont sûrement pas tarder à s'acheter Révolution. Oui, bon, on s'achète Révolution après Uprising. On a tous fait ça, c'est oui, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Tout simplement, bah, dans ces packs de map, on a donc bah, deux maps zombies, donc D-Rise. Mob of the Dead, ça vous le saviez déjà. Et il y a aussi donc 8 maps multi, donc Downhill, Mirage, Hydro, Grind, encore Magma, Vertigo. Et je crois que j'en oublie une. Je suis. 6 Studios, bah oui, bien évidemment, le remake en quelque sorte de Firing Range. Et donc, tout simplement. Et aussi Nuketown 2025, pardon, qui est redevenu. Bah, qui est devenu. Pas redevenu parce qu'il n'a jamais été. Qui est devenu gratuite. Donc pour tout le monde, il y a juste eu besoin de. Je suis même pas sûr, je crois qu'il y a eu besoin de faire un tout petit téléchargement. J'en suis pas sûr. Enfin bref, elle est devenue gratuite. Et donc je voulais vous proposer, si cela vous intéressait, si vous n'avez pas encore vu vos vidéos, d'ailleurs je mettrai je vous mettrai une annotation, une en haut à droite et une en haut à gauche. Pour les vidéos où en fait j'ai fait un bilan des maps de BO2. Et donc si ça vous intéresse que je fasse la même chose avec ces maps là, bah écoutez, dites-le moi en commentaire. Puis bah moi ça me ferait franchement super plaisir de vous refaire un bilan sur ces maps là. Mais je ne le ferai pas bien évidemment si vous ça ne vous fait pas plaisir, car je préfère vous faire plaisir à vous qu'à moi. C'est quand même plus important à mes yeux de faire plaisir à mes abonnés. Écoutez, on va déjà arriver à la fin de cette vidéo. Il a débloqué Samoab. Et donc je tiens encore à vous remercier pour les 200 abonnés, encore à remercier la Code CF de nous avoir upload, parce que passer sur une chaîne communautaire pour nous c'est super important. Et donc on va se terminer sur un 30 à 3 il me semble. Donc n'oubliez pas de laisser le petit commentaire pour tout ce que je vous ai dit, d'aller sur le Twitter, une petite annotation sera mise en haut à droite, de laisser un j'aime et surtout d'aller sur notre chaîne et de cliquer sur le bouton s'abonner, ça nous fera super 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 plaisir. Donc je vous remercie encore et puis à la prochaine !